Je suis issu de l'enseignement agricole. J'ai fait un bac STAE au lycée agricole de Radingan, ensuite un BTS PA au lycée agricole de Robillard dans le Calvados, et enfin une licence professionnelle sur la gestion d'entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc je suis arrivé ici à Rambouillet en 2007 en tant que responsable de troupeau, au début sur les vaches laitières et vaches allaitantes. Et progressivement, j'ai évolué au sein de l'exploitation pour passer au poste de DEA en 2017, donc après 10 ans de service au sein de l'exploitation agricole. J'ai eu l'occasion de mettre pas mal de choses en place sur les circuits courts, sur la transformation des produits, la mise en place de nouveaux ateliers. Donc, ce qui est vraiment aujourd'hui épanouissant et motivant dans la fonction, c'est la latitude qu'on a pour mettre en place des projets, pour développer des partenariats avec les acteurs du territoire. On a des tâches qui sont très variées parce que ça va du management pour gérer les équipes. Alors ici à la bergerie, c'est particulier parce que c'est une équipe qui est conséquente avec 15 salariés. Mais il y a aussi toute la partie agricole, technique, d'élevage qui est aussi très riche et prenante. En passant par les partenariats, la formation évidemment, parce qu'on est au service de la formation et ici de notre CFA, CFPPA, pour former des jeunes. Donc voilà, les journées ne se ressemblent pas, sont très variées. Ça demande une grande faculté d'adaptation pour voilà, être capable d'être un petit peu sur tous les fronts, mais sans perdre le fil quand même des projets et du projet d'exploitation de manière générale. Donc voilà, au global, c'est un poste qui est très dynamique et qui est très enthousiasmant.